Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Transport Fever 2. J'attendais ce jeu avec une impatience folle. Je me suis vraiment éclaté sur le 1 et vraiment, voilà, vraiment très content de pouvoir tester Transport Fever 2 tout simplement. Alors le jeu sort le 11 décembre, il n'est pas encore à l'achat, il est en pré-achat pour l'instant. Donc on va pas commencer une campagne, une partie libre. Jeu gratuit, partie libre, d'accord. C'est la traduction qui est... Ok, on va plutôt faire une campagne, ça nous permet de voir un peu toutes les nouveautés. Alors on a un éditeur de cartes, ça c'est vraiment cool. On peut créer soi-même ses cartes. Si je mets personnalisé par exemple, voilà, on peut choisir tout ça. Et il y en a un générateur de cartes, alors attendez, on va revenir. Si je dis pas de bêtises, c'est la première vidéo découverte, on va voir un peu toutes les nouveautés. Admettons, on veut faire végétation de forêt mixte par exemple. On va mettre petite histoire qu'il ne me charge pas le truc trop longtemps. Ça, c'est le format de la carte, ok. Ah non, d'accord, je m'attendais à des vidéos d'annonces que j'avais vues. Bon, on va voir. On va voir. Au pire, on commencera la campagne en suivant. Alors, les chargements sont peut-être un peu longs, je ne sais pas, on verra. Mais dans le 1, je me souviens qu'ils étaient un peu longs. Non, ça va, j'ai rien dit. J'ai rien dit, je retire ce que j'ai dit. Donc ouais, on avait un éditeur de cartes, histoire de se faire des cartes personnalisées simplement. On pouvait choisir la quantité de végétation, le type, les fleuves, la quantité d'eau présente sur la carte, si c'était des lacs, etc. Et je pensais lancer ça, on va voir. Je découvre vraiment avec vous, là. J'ai lancé le jeu 3 minutes pour voir le... Première compression de texture, je sais pas si vous l'avez ça. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Non, je suis allé trop loin alors, ok. Du coup... Ah, attends. Ligne de contour, au navigable, ok, non, c'était... Ok, alors non, on va revenir. Au menu principal. On va lancer la campagne, je me ferai ça... avant de lancer le let's play qu'on fera sur ce jeu qui démarrera donc le 11 décembre. Donc l'humanité invente constamment de nouvelles machines et procédés, rejoignez la course à l'innovation technologique et faites en sorte que les transports circulent librement à travers le globe. Donc 6 missions pour le chapitre 1 de la campagne, on va voir. Ça ferait 18 missions, ouais. Le miracle minier, l'Amérique en plein 19e siècle. Dans le Nevada, là où jusqu'à présent il n'y avait qu'une poignée de troupeaux de bisons, c'est l'ébullition. Au-delà de la Sierra qui s'étend le long de la rivière Carson, on a trouvé de l'or. Et pas qu'un peu. Il n'y a qu'à se baisser pour le ramasser, et tous ceux qui sont prêts à se relever les manches peuvent espérer faire fortune. C'est une occasion à ne pas manquer. Tâche bonus, le ranch de Ponderosa. Faire un tour, et la bête monstrueuse. Tu me dis pas ce que c'est, d'accord. On commence ici. Alors on a les 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Allez, c'est parti. Ouais, de ce que j'ai pu voir du jeu, ça a vraiment l'air d'être le 1++. Mais dans le bon sens du terme, c'est pas, ils ont pas fait un bis, hein, ils ont vraiment... vraiment améliorer le 1 dans le sens où il y a plus de modularité par exemple sur les croisements de rails, l'interface est plus claire, enfin de ce que j'ai pu voir, après on va découvrir beaucoup de choses je pense, encore j'ai vu qu'il y avait de la pollution sonore, enfin de la pollution tout court, sonore, atmosphérique, enfin beaucoup de comment dire, de type de, je perds mes mots. Beaucoup de nouvelles choses à gérer. Ah, ça lag un peu. Est-ce que c'est mon PC? Putain, c'est magnifique. Ah, je vois bien, oui. Les décors sont vraiment magnifiques. Gold Rush Fever holds sway in Virginia City.
You lucky devil. You've won the mining rights for a promising claim in a poker game with the Red Dog Saloon. Soon, you'll be hauling out gold nuggets as big as a cat's head. Ah ok, alors. Bon, on est en pause déjà. Alors, cherchez le puits de mine. Grâce à votre ruse et à votre habileté aux cartes, vous possédez désormais une mine d'or rien qu'à vous. L'ancien propriétaire, Suzy, une fille du saloon qui ne joue pas très bien aux cartes, a déjà mis en place ses installations de base. Comme elle a l'esprit pratique, elle a aussi laissé tout l'équipement sur place. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à trouver la mine. Déplacez-vous, oui, d'accord. Hop, 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 c'est bon, j'ai tout fait. Ah non, il y a des degrés là, pardon. 180 degrés, bon, on va faire un tour. Hein. Maintenez clic droit. Ouais. Voilà, et utilisez le zoom. Ok. Orienter la caméra, donc c'est F et R si j'ai pas de bêtises. Ouais. Ok. Cool. Ouais, donc le clic droit souris, on se déplace comme ça. Le clic molette, on se déplace comme ça. On va regarder. Putain, c'est. Mince. Ah ouais, c'est inversé. Cliquez sur le bouton dans le coin supérieur gauche de la fenêtre des tâches pour centrer la caméra sur le lieu de l'événement. Ok, la mine est ici. Putain, le dézoom est quand même bien plus agréable. Donc on a trois villes, Virginia City, Carson City, Reno. Ah, faut que j'inverse ça par contre, droite, gauche, bas, haut, je le trouve pas logique pour moi. Bon, c'est pas c'est un détail. Hein. Donc on a trouvé, hop, l'entrée de la mine. Quel titre de propriété prometteur, même si pour l'instant on a extrait que quelques rochers, ce n'est pas une raison pour se décourager, il suffit de creuser plus profond. Vous feriez bien de vous fournir en solide bois de charpente dans la forêt voisine afin que vos galeries ne s'effondrent pas. Ces arbres feront d'excellents poutres de soutien. Donc première ligne j'imagine, entre la forêt ici et la mine ici. Bon, on va faire par camion je pense. Alors construisez un relais routier. Donc, route. Alors, ouais, ça a changé. Hein. Donc là, on a tout ce qui est rue. Bon, ça change pas. Rue, route, qu'est-ce qu'on a ici? Outil de modification. Ah oui, ok. Et étape. Ah, les points relais, ça c'est cool. Et ça, c'est pour améliorer la route. Ok. Donc, arrêt de bus de tram, gare de bus de tram, relais routier, dépôt de voirie et dépôt de tram, ok. Donc, ouais non, il faudra que je l'inverse. Ah, il nous le dit, ouais, d'accord, il nous le dit directement ici. Bon, je changerai le... Ouais, je suis un peu hésitant sur les contrôles, enfin sur les contrôles de la caméra parce qu'ils sont inversés par rapport au jeu habituel. Ouais, là on est pas mal, hein. J'essaie de faire un truc droit. Donc on voit que, pardon, quand on se met, hop, voilà, par exemple je le mets ici, c'est à l'envers, c'est compliqué, hop, c'est compliqué de faire l'envers de ce qu'on pense. Quand on se met ici, voilà, on voit tout ce qui est en blanc, hop, vous voyez, tout ce qui s'affiche en blanc, les gens y ont accès à pied. Alors, établir une ligne d'approvisionnement, mettre en place une nouvelle ligne d'approvisionnement qui va être du nouveau relais à celui déjà existant. Ok, on en a un ici. Donc, il va nous falloir... Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, on peut choisir cargo, passager... Ouais. Donc, il va nous falloir une nouvelle ligne, pardon. Donc, gestionnaire de ligne qu'on peut ouvrir avec le raccourci L, normalement. Alors, créer une nouvelle ligne, ok. Une ligne qui part donc, qui va charger le bois ici. Voie d'évitement, ouais. Et qui décharge ici. Ici. Charger ici disponible. Charger complet. N'importe lequel, non. Ce que je veux, c'est. Décharger tout. Comment on le faisait déjà? Ah, on peut filtrer. Ah, voilà. Il n'y a pas un truc pour décocher tout? Bon, c'est pas très grave, on va laisser. De toute façon, il peut que récupérer du bois. Il peut pas récupérer autre chose sur cette ligne. Très bien, construisez un dépôt dans la zone en surbrillance. Ok, alors un dépôt. Hop.
dépôt de la voirie. Et... Ah, faut vraiment que je l'inverse, excusez-moi, hein. Je vais y arriver, hop. J'essaie, hop, d'avoir une vue sur le dépôt. Voilà. Ah, ils ont vraiment amélioré le truc. Hein. C'est vraiment cool. Hein. Alors, cliquez sur le dépôt. Ah, et donc ici, dans le gestionnaire de ligne, on a tous les dépôts et on peut envoyer les véhicules. Acheter un véhicule. Alors, on a combien? On a 10 millions, ça va. Alors, calèche, ça c'est pour les passagers, donc ça peut contenir 4 passagers. Et ici, on peut contenir, enfin, transporter 4 troncs de bois. Enfin, 4 unités de bois. Aux États-Unis, l'âge d'or des chariots dure à moins d'un siècle. Jusqu'en 1910, ça va, jusqu'à la révolution industrielle. Donc 23 000 quand même. On en prend un. Alors, attends. Assigner le chariot, oui, d'accord. Bon, ça, ça change pas. Comment ça se passe ici? Pour l'assigner. Pour assigner le véhicule sur la ligne, cliquez sur le dépôt ou le véhicule, puis sur le bouton surbrillance. D'accord. Ah, et je le mets directement sur cette ligne. Ok. Parfait. Parfait. Ok, alors attends. Attendez que le chariot à cheval ait livré la mine. Ouais. Si je le vois, mon chariot à cheval. Ah. Merci. Ah, il est bien fait. Donc, on a un chariot, si je le retrouve. Je l'entends. Oui, je sais ça, je sais. Je veux juste voir mon chariot. Il n'y a pas d'icône pour le chariot? Il sort du dépôt, normalement. Ah, il est là. Hop. Configurer le véhicule. Ah, on revient là, ok. Donc si je me souviens bien, tab, ah ça a pas bougé, ça c'est cool, on peut se mettre en vitesse x3, hop, il chope du bois. Il a chopé nos 4 de bois. Et donc il va aller livrer tout ça à la mine. Ah, on a déjà une... Ah non, c'est les voitures personnelles, ça, les voitures privées. Ah ouais, c'est cool. C'est vraiment très cool. Quel bonheur de jouer à ce jeu. Et donc on va venir livrer tout ça ici à la mine pour faire nos poutres pour les charpentes pour les mineurs pour pas que ça s'effondre. Impec, pose ces petits espaces. Pose. Alors, des affaires florissantes. Ah, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Peut-être que votre adversaire au poker était plus intelligente que vous. Qu'il vous a semblé au premier abord, malgré tous vos efforts, la mine n'a produit que quelques pépites d'argent. Il vaudrait mieux vous en débarrasser avant qu'elle ne cause votre ruine. Heureusement, nous arrivons sans expérience se perdre à Virginia City tous les jours. Vous n'aurez aucun mal à la revendre. J'ai pas le temps de lire. Bon, très bien. Il est temps d'investir cet argent dans une arme. Oh putain. 100 millions. L'entreprise profitable. Voilà d'ailleurs une excellente opportunité. Tout le minerai doit être transporté par la rivière jusqu'aux fonderies en aval. Une ligne de chemin de fer, carrément, d'accord. Et il faut la transporter ici. D'accord, alors. Oh, mais la portée est large. Ok, donc on va faire... du cargo. Ah ouais, sur les... C'est vrai qu'il y avait ça aussi sur les... Alors c'était N. Ouais. Et donc en maintenant Shift, N et point d'interrogation pour tourner. Donc en maintenant Shift, on avait quelque chose. Ah oui, voilà. Alors attends, on va faire ça comme ça. En maintenant Shift et N ou... Ah, c'est trop long par contre, 120 mètres. 80 mètres, ça suffira. Nombre de voies, 1, oui. Ah, on peut tourner comme ça aussi. On maintient Shift, on tourne avec la souris. Mais c'est génial, ça. 120 mètres de long, d'accord, pardon. Ça doit se coller pile poil. Ouais, voilà. Ok, relier la section ouverte au rail. On garde Devil Pass, Skull Rocks et Washington Hill. Devil Pass est ici. Skull Rocks.
et Washington Hill. Ah bon, bon, ça va aller. Oui, excuse-moi. Putain, dès qu'on fait une erreur, il nous... Oui, oui, Rail. Alors. Donc. Hop, hein. Va falloir faire un petit tunnel, je pense. Il va nous apprendre à faire des tunnels. Hein. Alors, ça coûte combien? 139 000 de faire ça. Bon, je pense que pour le tuto... Ça va être prévu qu'on fasse un... Bah oui, je vais relier au marqueur vert, mais je peux pas faire... je peux pas choisir ma courbe. Ah, tu me l'as fait tout seul, d'accord, bon. Ok. Ok, et il faut aller là-bas. Ah d'accord, il nous montre tous les virages, les ponts, les tunnels. Oh, il retravaille bien les courbes, c'est génial. Et donc là, on a un pont, ouais. Oh, ça coûte cher. Mettez en place une nouvelle ligne qui va de la nouvelle gare qu'on vient de créer à la gare proche des fonderies. Ok, donc on a fait ce trajet là. Donc tu veux me faire faire la ligne avant de me faire faire le dépôt, d'accord. Généralement je faisais l'inverse, mais ok. Donc on charge ici. Et on décharge ici. Construisez un dépôt de train. Alors généralement ce que je faisais c'est que je le mettais. Donc si on maintient shift, j'ai juste à descendre. Ouais c'est ça, parfait. Ah dans la zone à surbrillance. D'accord, tu veux me le faire comme ça. Eh bien fais-le-moi comme ça. Hop, on fait quelque chose de propre, voilà. Relier le dépôt au rail existant, donc, à voir. Ouais. Ah, comme ça. Ok. Je vais faire un aller et un retour, mais d'accord, on fait qu'un aller. Une locomotive et trois wagons, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme locomotive? On a la Baldwin, 6 wheels, celle-là elle était déjà si je me souviens bien, un coût d'achat de 258 $, 43 000 quand même par an. Couleur, couleur or, et ouais, oui, je veux bien l'acheter, à ajouter. Ok, il nous va falloir nos wagons de passagers, combien? 3, des pots de fret pour les minerais. Ah mais tu nous as prédéfini déjà le minerai, ok. 1, 2, 3, donc là on retrouve notre véhicule. Là ici c'est l'efficience de la traction. Et donc, ah ouais 800 000 quand même. Ok, assigne le train à la ligne, donc ce train on le met sur la ligne 2. Assigner véhicule, ça c'est fait. Attendez que le train est livré. Très bien. Est-ce qu'on peut pas sélectionner le train? Bon, on va se mettre en vitesse 1. Hop. Tiens, il y a un cerf. Oh, on peut le voir. Il court. Ok, alors... Il a traversé. Mince. Ok, donc tu peux récupérer combien? 21, toi. T'en as récupéré 5. Il faut en livrer. J'ai fermé, mince. Où est-ce qu'on retrouve? Bon, il va nous l'ouvrir quand il aura livré. Ah du coup ça fait un petit
Attends, pause. Putain, ça marche pas, espace, pour la pause. Fabuleusement amusant. Ça y est, c'est fait. Le premier train sur les rails et tout le monde abandonne son travail un moment pour acclamer votre merveille d'ingénierie. Ne manquez pas l'occasion de monter à bord pour saluer, pour les saluer en passant. C'est ce qu'on a fait. C'est très bien. Accepté. Cliquez sur le train pour voir la caméra de la cabine. Ah. Est-ce que j'ai fait, non? Ah, ici. Oh, mais c'est génial. Faire un tour, d'accord. Ouah, la liesse ne semble plus prendre fin. Et tout ça grâce à vous. Par contre, attendez, je fais juste... l'espace pour... pour la pause, normalement... Ah non, il me l'a pas mis. Voilà, appliqué. Voilà, faire un tour terminé. Ok. Pause, pardon. On va se faire en mode cabine. Est-ce qu'on passe... Oh, un chacal énorme. Est-ce qu'on passe... Oh oui, on passe dans les tunnels. Souvenez-vous, avant, c'était la misère, les tunnels. Oh, c'est génial, c'est génial. On va passer le pont, faire le virage à bord, puis le pont, et on va arriver à Carson City. Vitesse x1, ça donne ça. Ah, et on peut se déplacer quand même. Oh, c'est génial, mais quel bonheur. Oh là là, mais c'est exceptionnel. Avec le conducteur du train rempli de charbon et de suie. Et on voit Carson City en au loin là. Oh, mais elle est immense, cette gare. Elle est vraiment immense. On a livré, très bien. Alors, les pieds au sec, grâce à votre chemin de fer, l'industrie, l'argent tourne à plein régime. Ce qui veut dire que toutes sortes de belles dames et de gentilshommes de la société font maintenant escale à Carson City. Faites en sorte qu'ils ne salissent pas leurs belles chaussures en marchant dans les rues boueuses. Découvrez quels sont les besoins de vos futurs passagers. Activez les filtres d'utilisation des terres. Je pense que c'est là. Ah, c'est ça ce qu'ils appellent l'utilisation des terres, d'accord. Donc... hop, si j'arrive à avoir une vue comme ça, ok, ouais, donc... Ah, on a le niveau directement comme ça, ok. Donc en bleu, tout ce qui est commercial, en vert, tout ce qui est résidentiel, et en jaune, tout ce qui est industriel. Et selon l'intensité de la couleur, c'est un bâtiment de plus ou moins élevé. D'accord, on va juste faire un petit tour, avant. Ah ouais. Et donc j'imagine que les bâtiments évoluent au fur et à mesure. Alors, tout le monde a besoin de vos services en ville. Construit des arrêts de diligence dans toutes les zones en surbrillance. C'est peut-être placé directement sur le trottoir. Oui, bon, ça je m'en souviens, on va y arriver. Hop, et donc mince. Hop. Est-ce qu'il en faut des deux côtés? Eh oui, pour le sens à la... pour les deux sens. Où est-ce qu'on a une zone en surbrillance? Ici aussi. Ah, mais dans chaque zone, mais oui. Faut desservir tout le monde, là. Et ici... ouais. On va le mettre là. Ah, fallait en mettre qu'un. Bon, j'en ai mis deux. Relier les nouveaux arrêts à une ligne. Très bien. Pourquoi tu me le mets pas, ça? J'ai pas ajouté les arrêts dans les zones en surbrillance, si. Étonnant. Donc, nouvelle ligne. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut ajouter un dépôt d'ici, non? Est-ce qu'il y a un endroit... Non, peu importe, je mets où je veux. Donc, tramvoirie.
Je mets où je veux vraiment? Cool. Je pense qu'on va le mettre par là. Le dépôt, alors on va continuer. Attendez, avant ça. Ah, j'ai pas accès aux routes, je crois. Gestion de véhicules. Ah, 6 rues. Alors non, celle-ci. Ouais. Ah bon, on n'aura pas un angle parfait. Ah, je peux pas le faire, d'accord, faut vraiment suivre le tuto. Bon. Ok, ok, ok. Excuse-moi. Bah parfait, on va le mettre ici, le dépôt. Alors qu'est-ce que c'est que... Le jaune là. Ah, ça va détruire. Et ce bâtiment doit être connecté à une route, je veux bien, mais... J'aimerais bien le mettre là, il passerait tellement bien. Bon, mais tant pis. Acheter 3 diligences, ok. C'est dommage que le clic droit ne désélectionne pas ce qu'on a sélectionné. 3 véhicules. Oui. Ah, quantité, pardon, 3. Prix à l'achat, oui. 71 000. On les affecte tous à la ligne 3. Transporter 5 passagers, très bien. Alors, est-ce qu'on va avoir du monde aux arrêts déjà? Non, cette vue était mieux. Est-ce que je peux m'éloigner un peu? Ouais. Putain, c'est vachement bien fait, non? Regardez le visage. Alors, est-ce qu'on va avoir du monde aux arrêts? On va voir. Il vient pas de passer un arrêt. Ah mais si, c'est qu'il le fait dans, pas dans ce sens. D'accord. Il ah, y a personne à l'arrêt encore. Hein. Ah, attends, est-ce qu'il y a un monsieur qui arrive? Ah, il va faire son petit demi-tour. Je pense. Ouais, voilà. Mais tu t'arrêtes pas? Ah, il s'arrête pas parce qu'il y a personne peut-être. Ah, il y a une dame là-bas, parfait. Voilà. Oh, mais il y a du monde. Alors 3, et là-bas t'en as combien? On va voir celle de derrière qui arrive. Ou pas? Si. Ah, j'ai l'impression qu'il y avait du monde. Alors attends, voyons voir. Ah mince, la bête monstrueuse, j'ai pas vu. Alors ça c'est en cours. Étage bonus, un article du Territorial Enterprise fait état d'une bête sauvage faisant ravage dans la région. Les témoins évoquent un animal d'au moins 3 mètres de haut, couvert de fourrure noire qui sauterait dans un arbre. Une panthère quoi. Et laisserait des traces de pattes énormes. Allez demander aux journalistes ce qu'il en sait. Alors vous arrivez à la source, un vieux bon à rien nommé Sam Hawkins. Ce qui... Ah, c'est dur de lire en même temps qu'il parle. À ce qu'il paraît, il est au saloon de Virginia City. Il va peut-être falloir lui offrir quelques verres de gnôle avant qu'il n'accepte de raconter la vérité. D'accord, donc on doit, si je me souviens bien... Attends, ah, de Virginia City, ok. Donc ici. Alors, le gaillard n'était que trop content de vous fournir des informations. Quant au monstre, il faut croire que sa taille dépend du nombre de verres de whisky ingurgités par celui qui raconte l'histoire. La rumeur veut qu'il croque les vaches en une seule fois et qu'il se serve d'une barre d'attelage comme cure-dent. Notre informateur prétend, s'il a vu juste, que la bête réside au bord du ranch de Ponderosa. Le vieux Cartwright et son fils n'ont pas apprécié que vous veniez au ranch de Ponderosa. Apparemment, vous n'êtes pas le seul à traquer le monstre. Le propriétaire prétend que des dizaines de chasseurs sont en train d'assiéger sa propriété. Mais juste au moment où ils s'apprêtaient à les expulser, ils ont tous pris la direction du lac Tahoe, le journal quotidien fraîchement imprimé encore entre les mains. Une bête sauvage ici? Bon, ouais.
Ah ok, on l'a trouvé. L'homme sauvage est mort, son corps... Ah mais c'est un homme sauvage, d'accord, pardon. Son corps a été rendu aux eaux du lac To et il devrait couler jusqu'à une profondeur de plus de 6 mètres. Immobile et piégé dans un bloc de glace, il devrait rétrécir jusqu'à la taille d'un petit enfant à cause de la pression immense. Eh bien, on dirait qu'il n'y a plus grand chose à faire à ce sujet. Super. Donc, transporter 5 passagers, qu'un seul homme pour l'instant ? Où est-ce qu'on met... Alors attendez. Ah, j'ai tout d'affiché, d'accord. Bon, très bien. Je cherche mes calèches. Ah, il y a du monde, voilà. Toi, t'en as 2. Oh, je les vois pas. Toi, t'en as 0. Ok, c'est fait. Alors, le miracle de Carson City, il n'y a pas si longtemps, cet endroit n'était rien de plus qu'un trou perdu sans intérêt, mais grâce à vos services de transport, c'est devenu une splendide petite ville. Les habitants parlent même du miracle de Carson City. Les gens sont de plus en plus nombreux à venir tenter leur chance ici. On ne doit rien laisser se dresser en travers de leur route. Il faut que vous investissiez dans le transport de passagers. Vos tickets de train vont devenir une des denrées les plus prisées de la région. Faites en sorte de relier Carson City au reste du monde, maintenant que la ville est en plein essor. Entre Carson City et les passagers d'Aura Reno. D'accord, bon, c'est juste une gare, des rails, une ligne, un train, et en avant également. Ok, allez, on se laisse ici pour aujourd'hui. Dès demain à la suite, avec déjà les contrôles remis à mon goût. Et on va donc créer cette ligne de passagers par train. Voilà, j'espère que cette vidéo découverte de Transport Fever 2 vous aura plu, vous aura mis l'eau à la bouche, et on se retrouve donc demain pour la suite, ou peut-être même ce soir si je suis chaud, sinon demain pour la suite de cette découverte. Allez, pensez au pouce, pensez à l'abonnement, pensez à tout ça, au like, aux commentaires, etc. Blablabla. Vous connaissez la suite, à demain.